Bienvenue donc au musée Jean Delannoy pour cette fête inaugurale. Bienvenue à Bueil. Elle a tourné deux films avec Jean Delannoy. Surtout, elle a accepté de devenir notre marraine. Et je lui demande de venir nous rejoindre sur le podium et sous vos applaudissements, Madame Corinne Marchand. Il faut que je dise quelque chose. Je suis présente aujourd'hui parce que j'ai eu l'immense chance de rencontrer Jean Delannoy. Et Jean, en plus, avait l'âge de ma maman, parce que ma maman était née la même année que lui, à quelques mois près. Je me rappelle une anecdote à propos de ses 100 ans. Il était à côté de moi, dans une voiture, et il m'a tapé sur la main, il m'a dit « Corinne, la vieillesse, quelle aventure !» Nous avons tenu bon, et aujourd'hui, c'est pour moi et également pour tous les acteurs de ce projet une grande joie et aussi une grande émotion que d'inaugurer le musée municipal du cinéma Jean Delannoy. En 1967, papa avait devant lui, sur son bureau, la grosse montre en fer que son père lui avait donnée, et il écrivait dans son journal. Un jour que je ne serai plus qu'une montre sur le bureau de ma fille, veuille qu'elle n'oublie pas de la remonter de temps en temps, histoire d'entendre le murmure d'amour élevé sur ses pas. Papa, aujourd'hui, en mai 2014, grâce à la mairie de Bueil et aux amis de l'association, je veux te dire que nous avons tous travaillé pour que l'on ne t'oublie pas. J'appellerai tout à l'heure Violette et Margot pour couper le ruban et inaugurer officiellement ton musée du cinéma. Voilà, vous pouvez couper. Couper le ruban. C'est un peu la salle consacrée à Jean Gabin, parce qu'il a fait ses films avec mon père. Bureau de Maigret. Une petite reconstitution du bureau de Maigret. C'est très très émouvant, c'est comme traverser le temps tout d'un coup et se retrouver en face des souvenirs, mais non pas dans la mémoire tout d'un coup, mais dans la sensation du présent en fait. Ça fait remonter des souvenirs de films que nous avons vus au cinéma et des acteurs formidables. C'était des films qui étaient très bien réalisés, en noir et blanc beaucoup. Et j'étais déjà présente lors des 100 ans de Jean Delannoy. Donc, comme j'habite Bueil, je suis très contente que ce musée soit dans nos murs. Quand je regarde les matériels, les techniques, etc., je me rends compte qu'en réalité, le numérique utilise tous les plus anciens procédés. Ce n'est pas le même art aujourd'hui. Parce qu'on s'aperçoit, en voyant toutes ces machines, la part donnée à la main de l'homme. Aujourd'hui, toutes ces actions qui menaient à la capture de l'image, elles sont faites par la machine. Et la présence de l'homme à côté est plus une présence d'accompagnement de la machine. Et ce n'est plus le même regard, ce n'est plus le même langage à mon avis. Le noyau dur, disons, de l'exposition que nous allons faire dans ce musée, c'est bien évidemment Jean Delannoy. Les collections, les souvenirs, les synopsis de films et toutes ces choses vont effectivement constituer l'essentiel de ce qui va faire venir le public pour voir le musée. Et puis le reste, eh bien, vous l'avez autour de moi, c'est du matériel, du cinéma de l'ancien temps,
du temps où on filmait pas avec un téléphone portable. De procéder à la destruction de cette belle caméra. Claire, à vous. Ça, c'est un geste précis. Tout est dans la bobine. Alors là, on voit tout de suite. Oui, mais petit à petit, c'est la même chose. Oh la vache, elle est carrément cassée là. C'est mieux que là.